Hey, salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne savais pas trop quoi faire comme style de vidéo. Donc en fait c'est un peu comme une nouvelle partie de ma collection entre guillemets. Mais là je vais pas vous représenter toutes les collections de A à Z hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Enfin voilà. Là j'ai pas toutes les nouvelles que j'ai eues. J'ai une partie de celle que ma soeur m'a donnée parce que malheureusement mon assistante a arrêté la collection, mais il y a toujours une connexion. Oh punaise! Une collection que nous continuons toutes les deux. Voilà. Bon, donc je vais vous présenter les petites nouvelles et voilà. Je crois que je vais faire que ça parce qu'il y en a quand même une petite dizaine, il me semble. Enfin voilà. Donc c'est parti. Bon, je les présente pas dans l'ordre, hein, on s'en fout, c'est la première qui vient en fait. Là j'ai en fait j'ai décidé de lancer la caméra, je savais pas trop quoi dire en fait. Enfin, je savais que je voulais faire une vidéo sur les nouvelles, mais voilà, j'ai rien préparé. En fait, ce que je dis, c'est même pas scripté. D'habitude, c'est jamais scripté, mais là c'est en fait de la totale improvisation. Voilà. Voilà! Bon, du coup, la première doll, c'est Mulody Getaway. C'était la dernière Mulody qui me manquait. Donc, Mulody Persephone, si vous voulez une review d'une des deux, je les ai toutes. Donc, demandez-moi la review que vous souhaitez et ce sera fait. Donc, voilà. Ou alors, si vous avez des questions sur des dolls ou sur ma vie, même si on s'en fout, ben, je tâcherai d'y répondre dans les vidéos en fait. Donc, Mulody Getaway. Voilà. Donc là, elle est complète. Hein. Ensuite, Draculaura. Mulody, elle l'a eu sur le bon coin. Draculaura. Oui, bon, j'étais en train de m'amuser avec, en fait. Donc, elle était en mode désespérée. Donc, voilà. Draculaura Save Frankie. Donc, Frankie fusionne. Donc, voilà. Bon, il lui manque un petit bracelet et le panneau Save Frankie. Ce qu'elle a eu sur une brocante. Et moi, j'avais eu ma Gina Fire. Carmenster, donc voilà. Donc c'est la petite Draculaura Save Frankie. Ensuite, sur une autre brocante, elle avait eu Goulia Roller. Donc je l'avais laissée. Parce que on se les distribue en fait. Et j'en avais déjà pris pas mal. Puisqu'elle me les laissait en fait. Et donc en gros, je lui ai laissé Goulia. Mais elle voulait pas la prendre. Parce qu'elle a qu'un seul patin. Oui, parce qu'en fait, quand on les a achetés, du coup, on avait acheté tout le bac. Parce qu'à chaque fois, il y en avait une de nous deux qui l'avait pas. Et puis bah, je prenais les accessoires, donc je disais ça c'est un machin, ça c'est un truc. Je voyais la tronche de la dame en mode elle a vu un ovni. Ou un omni, puisque je marche et je vole pas. Mais voilà, bon j'avais pas encore les cheveux colorés, donc voilà, il n'y avait pas trop de bizarreries. C'est juste je débitais les noms avec les accessoires que c'était à une vitesse hallucinante. Au passage, je ne suis pas un vampire, parce qu'il y en a qui s'amusent à se marrer avec ça. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Donc voilà, et en fait, je n'avais pas entendu, mais mes parents m'ont dit qu'en gros, elles n'étaient pas complètes parce que la dame a dit que soit ses fils avaient perdu, soit c'était dans l'aspirateur. Tout simplement. Donc en fait, ils s'en battaient les steaks. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle n'a pas ses lunettes et qu'il lui manque la plupart des trucs. Et donc là, c'est déchiré parce que ça a dû se prendre dans le scratch qu'il y a derrière. Super. Mais bon, du coup, j'ai gagné Goulia Roller, celle que j'avais laissée à ma soeur. Donc heureusement que je l'ai pas racheté en fait, parce que du coup bah, maintenant je l'ai. Voilà. Elle m'a passé Rochelle Oscaris. Donc voilà. Donc elle est quasiment complète. Bon, elle avait fait un petit trou dans le leggings. Là. Ici, au-dessus de mon majeur. Voilà, elle avait fait un petit trou dedans. Mais bon, ça après je lui demanderai à ma mère de recoudre. C'est pas dit. Là, hein, nos commentaires, hein, j'ai jamais dit ça. On est d'accord, hein, je suis tout souhaité, j'ai rien dit. Ce n'est pas moi, c'est le pape. Voilà. Je sais pas ce que le pape vient foutre là, mais on s'en fout, ok? C'est pas moi, c'est le pape, merde. Voilà. Bon, je peux continuer maintenant? Bon, elle m'a passé aussi posée. Donc j'ai réussi à refaire sa coiffure parce qu'elle m'avait demandé à l'époque de détacher les petits trucs blancs qu'il y avait là. J'ai réussi à enfin rattacher la chose. Oui, la chose, parfaitement. Parce qu'en fait, c'était hyper serré. En fait, c'était pas fait pour être détaché et remis ensuite. Mais j'ai réussi. Donc, si vous voulez une review de la doll, vous me le dites. Et je vous expliquerai comment j'ai fait. Parce que
là j'ai dans cette vidéo là on va pas faire ça. Sinon il y en a ils vont s'endormir, d'autres vont se désabonner, d'autres vont déprimer ou se tirer une balle. Parce que c'est tellement chiant quand je parle que voilà. Voilà, donc posé. Donc maintenant ça, j'allais dire ça complète la collection des Gretzky. Non. Du coup maintenant j'ai les trois nouveaux personnages du film. Parce que bah, avant j'avais Perry Pearl, Kala, mais ma soeur avait posé et pas moi. Donc j'étais un peu pas jalouse mais faisait chier quoi. Bon ensuite elle m'a passé ça. Cathy Bouyork, amie de gala. Donc elle a foutu ses doigts sur le truc gris. Du coup ça ne brille plus et elle l'a laissé assise trop longtemps. Alors qu'elle a un socle, là, on est bien d'accord. Cathy Bouyork a un socle, mais c'est pas grave, elle les assoit tout le temps parce qu'en fait tous ses accessoires elle les fout dans une boîte. Hein. Voilà. Donc, que moi sont dans des étagères et elles sont pas assises, même si elles n'ont pas de socle. Pas assises. Voilà. Donc elles reposent, en fait elles reposent sur celles qui ont des socles. Ça fait une rangée de socles, une rangée sans socle. Enfin j'essaie de faire ça, du moins. Parce que j'en ai pas beaucoup avec des socles. Parce qu'ils ont sorti pas mal de collections sur socle, Mattel, ils sont un peu chiants, on va dire. Du coup après c'est qui est censé se taper toutes les annonces du Bon Coin pour trouver des socles tout seul? Et ben c'est qui? C'est Bibiche. Moi entre autres, hein, parce que Bibiche, c'est pas le rideau qu'il y a derrière. Bon voilà. Donc Cathy Bouyork. Donc elle est un peu abîmée, mais bon, c'est une jolie doll, hein. Je vais pas dire non. La seule doll que je n'ai pas et qu'elle ne m'a pas passée, c'est sa Laguna très souris. Parce qu'elle, elle l'adore. Sa Laguna préférée, donc elle me l'a pas passée. Donc. Frankie, bon là elle est en mode je fais caca, mais c'est qu'en fait elle était assise. Hein. Aïe, mes mains. Ma main, pardon. Parce que en fait, je me suis fait mal. Et donc j'ai mal au tendon du doigt. Donc Frankie, how do you boo? Je vous avais fait la review avec Trisa. Et bah elle me l'a passée. Elle avait des taches sur le cul. Regardez, ça a disparu. Parce qu'on l'a emmenée au lavoir. On n'est pas dans un tuyau, c'est marrant. Voilà, blablabla. On fait les andouilles. Et en fait, à un moment, on la sort de l'eau et on remarque qu'en fait, l'eau froide a décollé le truc. Donc, si vous avez un lavoir près de chez vous et que vous avez une dolle avec un bout de plastique accroché sur le cul, sur le fion, sur l'arrière-train, le croupion, ce que vous voulez, et ben vous la foutez dans l'eau. Tout simplement. Voilà, c'est de l'eau magique. Voilà, appelez panoramique. Tout à fait. Donc voilà. Ensuite. Opéretta Bouyork. Donc elle avait pété ses lunettes parce qu'elle avait foutu les lunettes dans mon lit et elle s'est jetée sur mon lit. Donc ça a fait que bah, les lunettes elles ont fait crack. Du coup il manque une branche. Mais bon je les ai ces lunettes. Hein. Coucou. Et j'ai son sac. Donc voilà, donc ça c'est une doll qu'elle avait eue à Pâques, parce que ma soeur, ma cousine, ma cousine, oui, parce que ma soeur, non, ma cousine lui avait acheté une Gina Fire, mais elle l'avait déjà, donc ils sont allés partir l'échanger au magasin, et à la place ils avaient pris elle. Donc voilà, une Opéretta qui ne se trouve plus trop en magasin, je suis contente, ça me fait des dolls en moins à rechercher. Oui, parce que j'ai un esprit de compétition là-dessus, d'habitude je ne suis pas très compétitive, hein, j'aime bien perdre, hein, je m'en fous. Mais sur les Monster High, non. Voilà. Je n'aime pas qu'on ait des Monster High que je n'ai pas. Oui. Sinon, j'ai envie de buter cette personne. De l'anéantir. De la tuer. De. Enfin bref, j'ai envie de commettre un meurtre. Quoi. Voilà. Donc, elle m'a passé sa Spectra Sport en fait. Qui était en train de se taper avec sa raquette. Voilà. Donc, elle est toute complète. Hein, parce que madame avait la balle. Hein. Elle a la balle, mais elle l'a perdue dans sa chambre. Donc elle me la rendra quand elle la retrouvera. Pareil pour la barrette d'Opéretta. Elle l'a foutue quelque part. Elle ne sait pas où, mais elle me la rendra. C'est logique. Elle aurait dû la ranger, tout simplement. Mais non, ma soeur elle est pas comme ça. Elle ne range pas. Ou alors si, mais en bordel. Ça allait ranger, mais t'ouvres un placard, t'as tout qui te tombe dessus. C'est une avalanche. Voilà. Une avalanche de trucs. Tout et n'importe quoi, hein. Ça peut même être des slips. Hein. Voilà. Donc n'ouvrez jamais un placard dans la chambre de ma soeur. On ne sait jamais ce qui se trouve derrière la porte. Il pourrait avoir un gremlins. Donc elle m'a passé sa Dracula Basic 2. J'étais trop contente parce que j'avais eu un Claude, mais j'avais pas eu la Dracula qu'elle est avec. Donc elle avait fait suer ma mère, parce que ma mère a compté de nous en recommander que deux, trois. Oui, que deux.
Donc c'était Ludmilla et autre, je crois que c'était Francesca. Enfin bref, les inspirations de Ghoul. Et elle avait demandé à ma mère Draculaura en plus, alors qu'elles étaient à 15 euros. Je crois que ma mère a failli péter un plomb. Non, je déconne, mais du coup, voilà. C'est juste parce qu'elle avait eu le cloud du même endroit et ma soeur n'aimait pas séparer les packs, machin chouette. Voilà. Mais elle m'a pas donné son cloud pour autant, elle l'a gardé. Hein. Elle m'a donné Draculaura. Voilà. Dracula est complète, hein. J'ai son sac, j'ai tout, machin chouette, une chose, hein. Mais voilà. Donc ensuite, je sais, quand je me relève, je fais des bruits particuliers en mode un chien à qui on m'a donné un coup de pied. Non mais j'ai cru que c'était une araignée, mais en fait non, c'était une touffe de cheveux. Ok. Sur moi, je vois Spider-Man, je cours. Pas vers lui, mais au sens opposé, en fait. Donc Frankie, basique économique, donc voilà, c'est elle. J'avais déjà la Draculaura, parce qu'il restait qu'une Draculaura dans le magasin. Et il y avait une armée de Frankie, donc je me suis dit, si Draculaura, c'est qu'il doit pas en avoir beaucoup. Et en fait, finalement, bah, j'ai jamais retrouvé de Frankie en magasin. Donc finalement, j'aurais mieux fait de prendre une Frankie. Mais bon, ma soeur me l'a passé, donc en fait, je regrette pas mon choix, puisque sinon, je me serais retrouvé sans doute avec deux Frankie ou je ne sais trop quoi. Voilà. Donc Frankie, basique économique. Et ça fait déjà 11 minutes que je parle et j'ai présenté trois poupées. Et tout là-bas, faut que je me lève. Vraiment. Vous m'énervez. Et c'est reparti, j'ai encore fait un bruit bizarre, étrange, qui sort de nulle part. Voilà, donc j'ai Harry Otignon, Spooktacular. Donc elle chante, machin chose, voilà, vous avez dû voir la pub. Moi, ma tante avait failli m'acheter la même, mais franchement, j'étais traumatisée des Barbies qui chantent et je me suis dit, mon Dieu, j'ai une Monster High qui chante, ça se trouve, ça va être horrible. Je la prendrai, mais franchement, en dernier, mais quand il y aura une promo, quoi, on s'en fout. Enfin voilà, j'étais pas pressée de l'avoir. Et en fait, quand ma soeur l'a eu, en fait, bah, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris parce qu'en fait, elle chante quasiment une chanson en entier. Et elle a un capteur de luminosité qui fait que bah, c'est pas trop comme les Barbies, en fait. Parce que les Barbies, à part qu'elles aient des nichons qui s'illuminent en mode elles sont sous LSD et qu'elles chantent comme des casseroles. Y a pas grand chose d'intéressant. Enfin, voilà, hein. C'est flippant même. Voilà. Bon, elle peut pas plier les jambes, mais par contre, c'est une Frankie qui est sortie. Et contrairement aux Barbie, elle peut plier les jambes et s'asseoir. Parce qu'il y a certaines Barbie, comme Harry, qui ne peuvent pas s'asseoir. Voilà. Ah, c'est pas une nouvelle poupée, mais je vous avais dit que ma habit basique, il me manquait Shiver. Et bah, m'a donné son Shiver. Je suis trop contente. Voilà. Donc mon yak il est là, hein. Voilà, coucou. Je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà. Bon, ensuite, faut que je me lève. Elle m'a donné ça Izzy, je suis trop contente parce que je la trouve trop belle. Et en plus au début elle avait paumé les cornes de sa Izzy, mais en fait elles étaient dans le coffre de la voiture de mon cousin. Voilà, ils avaient retrouvé mais ils ne nous l'avaient pas dit. Sniff. Voilà, elle m'a donné celle-là. Elle m'a donné un pack de robes. Bon, là j'ai les deux robes plus ça. Voilà. Parce que j'ai pas tout emmené chez ma cousine. Hein, parce que vous regardez, je suis encore chez elle. Je retourne chez moi que le week-end. Bon, et là-bas. Nope. Voilà, donc ensuite, je vais dans une autre vidéo vous montrer les nouvelles que je me suis achetées, plus celles que ma cousine m'a achetées. Que bah du coup il y en avait une en promotion, elle était à 9 euros. Du coup comme on cherchait un cadeau pour ma soeur, elle me l'a acheté. Parce que bah voilà, c'était la seule Monster High dans tout le truc que je n'avais pas. Ouais parce que sinon Oni, Fric du Chier que je l'avais. Je crois après il y en avait une autre. Oui Marisol je l'avais. Et bah Frankie, il y a une Frankie que je n'avais pas. Et sinon c'était Bumblebee, donc des super-héros girls. Voilà, donc j'ai choisi la Monster High, hein, parce que déjà de base, je collectionne les Monster High. Ce n'est pas nouveau. Et c'est pas prêt d'arrêter. Faudrait que j'arrête de parler comme ça. Sinon, ils vont disliker la vidéo, mettre des commentaires comme quoi je suis conne. Mais le pire, c'est que ce serait la vérité. Enfin bref. Voilà, donc ça, c'est les Monster High que ma soeur m'a donné et que j'avais avec moi. Parce qu'il y en a, elles sont pas ici. Parce qu'il y en a une, elle est un peu grande pour rentrer dans la valise. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Il n'y a pas 50 000 Monster High qui sont grandes. Mais voilà. Mais pas style Nefera. Vous voyez le level au-dessus. Pas Trisa, même encore au-dessus.
Pas Skellita géante de 75 cm, mais entre les deux, vous voyez. C'est Gouliop. Mais c'est pas Gouliop. Parce que mes Gouliop, vous les connaissez. Donc j'ai eu une nouvelle géante. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des géantes Monster High. Voilà. Voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser. Et sur ce, bonne soirée. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Et je crois que c'est tout. Salut!